Bonsoir. Au sommaire de cette édition, un père accusé de tentative de meurtre sur son fils à Cantorel. Ce dernier voulait défendre sa mère lors d'une dispute conjugale. Une nouvelle arrestation de l'avoué Rajendra Pajala ce matin. L'ICAC lui reproche d'avoir agi comme conseiller légal de la compagnie Sunkai, sachant que celle-ci avait des pratiques douteuses. Le député Mauve Rezaouti interpelle la speaker de l'Assemblée nationale sur l'affaire Tarola, lui demandant de traiter le cas en toute urgence. À l'étranger, à Fès, Khashoggi, la CIA retrouve des messages préoccupants envoyés par Mohamed bin Salman. C'est en voulant me défendre que mon fils a été agressé à coups de ciseaux. La mère d'Akshay Jagannath, Anita, nous fait cette douloureuse confession. Swaraj a commencé par étrangler son épouse, son fils s'est interposé. Son père lui a alors donné plusieurs coups de ciseaux. Ce drame familial s'est échoué dans la soirée du samedi 1er décembre à Cantorel. Akshay, âgé d'une vingtaine d'années, a été grièvement blessé. Il est actuellement admis à l'unité des soins intensifs de l'hôpital de Flac. Anita, la mère d'Akshay, affirme que son époux est un homme violent et que ce dernier était en train de l'étrangler. C'est à ce moment qu'Akshay est intervenu. Anish, le fils aîné de la famille, est catégorique. Un père ne peut agresser son propre fils avec des ciseaux. Non, il n'est pas bon du tout. Pas d'accord, c'est qu'il ne va pas me faire mal. Un papa, il va pas piquer sur le ciseau. Mais mon frère, il défend, là, il me l'a arrêté. C'est un peu correct. Pas bien faire, c'est qu'il me fait, pas bien faire du tout. Pas bon. Mon petit frère, mon sacré goût, mon petit frère. Il est bien fait, hein. Ça travaille à la vérité. Swaraj, âgé d'une cinquantaine d'années, a été arrêté. Il a comparu devant le tribunal de Flac et a été reconduit en cellule policière. L'avoué Rajendra Pajala a de nouveau été arrêté ce lundi matin. La commission anticorruption lui reproche d'avoir agi comme conseil légal de la compagnie Sunkai, tout en sachant que les opérations de celle-ci étaient douteuses. L'avoué Rajendra Pajala a été traduit devant la cour de Rosil. Une accusation provisoire de blanchiment d'argent a été retenue contre lui. Le député Mauve Rezaouti a déposé ce lundi une privilege complaint contre le député MSM Kalyan Tarola. Il a adressé une lettre à la speaker de l'Assemblée nationale, Maya Numanji, pour lui demander de traiter cette affaire en urgence. Souvenez-vous, l'affaire avait éclaté en septembre 2017. Lakshmi Devi Adin, une habitante de quatre sœurs, avait fait une déposition à la police accusant le député Kalyan Tarola de lui avoir envoyé des photos obscènes à travers WhatsApp alors qu'il se trouvait à l'Assemblée nationale. La Government Services Employees Association est contre le financement des partis politiques par des compagnies. Selon leur président Radhakrishnan Sadian, les compagnies n'ont même pas de quoi payer la compensation salariale aux employés, mais ont suffisamment pour financer les partis politiques. Mais si vous créez un parti politique, vous pouvez même faire contribution. Qui fait besoin d'attendre maintenant qu'il y a une compagnie de nous l'argent? D'ailleurs, une compagnie nous dit tout récemment, je paye un moyen pour payer une compensation salariale. Mais c'est une compagnie qui le gouvernement, amende la loi pour permettre nous financer un parti politique. Et c'est un parti politique là, et une compagnie privée là, je ne pas finance un seul parti politique. Je finance presque tout parti politique. Et je connais qu'il ne faut pas mettre tout le dans un seul panier. Et ça fait au détriment de qui? Ça fait au détriment de mon travailleur. Parce que je dis que je paye un moyen pour capable payer
augmentation de mon travailleur. Et je pense à l'argent la même chose dans une parti politique. Donc pour nous, nous comptons tout financement parti politique par ban firme. Et puis à l'étranger, l'agence de renseignement américaine CIA a appris l'existence d'une dizaine de messages envoyés par le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman dans les heures précédentes et suivant le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi au conseiller supervisant l'opération selon le Wall Street Journal. Hippisme à Maurice, le verdict est tombé. L'entraîneur Gilbert Rousset a été disqualifié pour une période de 12 mois et a écopé d'une amende de 100 000 roupies dans le cadre de l'affaire Maxamor Aspara. Gilbert Rousset, qui est représenté par Maître Gavin Glover, a déjà fait appel de cette sanction. Pour rappel, du stanozolol, un produit prohibé, avait été retrouvé dans l'échantillon d'urine et le sang des chevaux Maxamor et Aspara, victorieux les 12 et 26 mai derniers respectivement. Et puis on termine sur cette belle note, l'actrice Bollywood Priyanka Chopra et le chanteur américain Nick Jonas ont célébré leurs noces au cours de fructueuses festivités dans un palais de Rajasthan qui ont culminé dimanche avec une cérémonie hindoue au lendemain du mariage chrétien. Des feux d'artifice ont illuminé le ciel au moment où le couple a échangé ses vœux samedi lors d'une cérémonie chrétienne dans le somptueux palais Umaid Bhavan à Jaipur dans l'état du Rajasthan dans l'est de l'Inde. Voilà la nouvelle qui nous amène à la fin de cette édition. Merci de votre attention. Je vous retrouve demain pour une nouvelle édition